très bien, ta tenue est parfaite, tu es très belle comme ça. C'est vrai, j'ai tout fait faire. Vraiment, mais pourquoi? C'est juste une répétition, rien de plus. C'est spécial, je voulais danser avec une vraie tenue adaptée. Oui, je comprends. Aujourd'hui, on commence doucement, d'accord? C'est moi, j'ai déjà la tenue. Je l'ai portée, non? C'est essentiel de se sentir bien. La première chose qu'il faut pour danser, c'est une bonne tenue. Dès le début. Si tu veux, on commence par le pas du 1, 2, 3. Bon, ce pas me rend complètement dingue. Je sais que c'est ton préféré, regarde, c'est comme ça. Tu dois te pencher un peu comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Tu dois ouvrir les jambes? Et non, tu dois sauter sur une jambe. Un. Et après, sur celle de droite. 1, 2, 3. Attends, c'est pas tout à fait ça. Tu dois croiser celle-là un peu. Oh, mais c'est super. Et tu relâches ton corps, tu vois. 1, 2, 3. Attends, je ne sais pas quand je dois croiser les jambes. Et quand on dit 3, tu crois sur 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une chose, la tête ne doit pas pencher autant. Ah bon? Et tout ton corps détendu. Et le reste immobile. La tête vient droit. Tu regardes devant toi. Je regarde quoi? 1, 2, 3. Je ne vois pas. Du côté où la tête penche. Elle penche de quel côté? Du côté où tu fais le mouvement, d'accord? Essaye encore une fois. Tu dois aller de quel côté? Écoute, essaye de le faire et moi je te dis si ça va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. C'est bien. Beaucoup mieux. Je suis trop contente. Tu veux que je te montre une chorégraphie des passionnés? Non. T'es passionnée. Tu sais, la vie est une fête. Je préférerais répéter sur une des divines. Le problème, Blanche, c'est que je ne connais pas les chorégraphies des divines. C'est pas grave, allez, personne ne nous voit. Mais j'ai amené la musique des passionnés parce que je n'ai pas celle des divines. On va pour les passionnés. Oh, mais ce sera notre secret. D'accord. Bon, tu vois, si on fait comme ça, je suis sûre qu'elle me tue. T'inquiète pas, bouge. Alors d'accord, allons-y. Mets la musique. 1, 2, 3. T'as vu, j'ai réussi à te faire. Allez, la vie est une fête. Encore une fois. Bon, tu dois mettre tes mains comme ça. Une fête. Une fête. Rien de plus facile, Lou, que de donner un peu de travail. Allez, Je crois que j'ai crampe. Mais tu n'as rien fait, Blanche. J'étais en train de danser, mais tu ne me regardais pas. Et pourquoi ça te tire autant? C'est sans doute une déchirure. Attends un peu. Ah, ça te fait trop mal. Fais voir. C'est bien, c'est bien. Étire-toi. Tu te mets comme ça et tu essayes de descendre doucement. Descends un peu. Tient, ça tire. Ça tire. Oui. Resserre tes pieds. Comme ça. Maintenant, baisse-toi jusqu'à ce que tes mains touchent le sol. Non, je ne peux pas. Eh bien, c'est bien ça. Vas-y doucement. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, Blanche. J'y arrive. Bien. Alors, est-ce que ça tire? Oui, ça me tire. Maintenant, tu remontes doucement. Tu t'étais échauffée. Ça veut dire? Mais je t'avais dit de t'échauffer, enfin, Blanche. Je ne sais même pas comment on fait. Bon, viens par ici. Bonjour. Salut. Est-ce que tu sais pourquoi ta petite patronne traîne constamment avec mon ami? Tu veux sûrement dire pourquoi ta copine traîne avec ma petite Blanche? C'est sans doute parce qu'elle veut lui soutirer quelque chose. Tu ne crois pas? Non, mon ami n'a pas pour habitude de profiter de... Ah non? Tu es sûre de ce que tu dis? Sûre et sûre. Non, je pense que la vraie question est de savoir ce que ta petite patronne manigance cette fois-ci. Écoute, ne parle pas comme ça de ma petite Blanche. Bonjour. Parce que c'est une... Bonjour, bonjour. Alexandre. Oh, bonjour, monsieur Alexandre. Comment allez-vous? Hein? Tu vas où vous voulez aller? Je vais... Pourquoi? Ah, non, rien. Et je vais voir ma mère. Ah, votre mère. Bien sûr. Pardon. Bien sûr que tu peux y aller. Bien sûr, bien sûr. Salut, Alexandre. Passez le bonjour à votre mère, hein. Au fait, Nicolas, je voulais t'inviter au match qu'on organise avec les gars pour mon départ. C'est gentil, merci beaucoup, vraiment. Tu seras là, non? Non. Comment ça? C'est pas possible. Si, je vais pas vous lâcher. Bien sûr que je suis là. Et en plus, écoutez bien les gars, après le match, Alexandre organise un barbecue. T'es sérieux? Ouais, mais c'est parfait tout ça. C'est génial. Il assure, vraiment. Il assure ton beau-père. Ouais, je trouve aussi, mais futur beau-père, je préfère. T'abuses, Mathias. C'est quand même super qu'ils s'entendent aussi bien avec toi. Ouais, t'as raison. C'est vraiment ouais. Cool. On doit apporter quelque chose. On apporte les boissons au moins, non? Non, c'est pas la peine. Patricia m'a dit qu'il s'occupait de tout. Bon. C'est ça quand on a du fric. Ah, tu m'étonnes, mec. C'est génial. Comment on s'organise? D'abord le match et ensuite le barbecue ou... Oui, ce sera très bien comme ça. Vous ferez une très bonne équipe. Tu vois, toute seule, Sharine. Je sais que tu vas me crier dessus, mais toute seule. Je ne vais pas te crier dessus. Qu'est-ce que tu crois? Je vais maîtriser ma tête parce que quand je fais ça, elle fait ça. Je comprends, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu gardes ton axe. Tu relâches ton corps et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je relâche mon corps, mes jambes ne répondent plus. Ça ne va pas. Donne-moi la main. Donne-moi la main. 1, 2, 3. Allez. L'essentiel est de maintenir l'axe. Voilà, t'es prête? Allez. 1, 2, 3. Ça y est, je crois que j'ai compris. Blanche, Blanche.
Excuse-moi, je me mets un coup sur le visage. Et quand je suis tombée, j'avais les mains comme ça. Mais excusez-moi, les filles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Alors, on était en train de danser. J'apprends quelque part, Blanche. Mais c'est pas une réussite, on s'est emmêlés. Tu t'es fait mal? Moi aussi, je me suis fait mal. Je me suis fait mal ici. Retrouvez De tout mon cœur, rendez-vous sur gulli.fr.